Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Alors, on se retrouve sur le bord de la base et on va aller faire des petites fondations des maisons. Du coup, hors caméra, j'ai pas excessivement avancé. Il nous en reste encore un certain nombre à faire. Mais ça va aller vite, à mon avis. Alors, on va remettre le petit conduit. Éviter de se refaire avoir et de mourir bêtement parce qu'on n'a pas, parce qu'on s'est noyé tout simplement. Alors, hop, toc, toc, toc. Hop, je crois que j'ai mis un trop. Ouais, c'est parfaitement ça. Donc, le conduit est activé. J'ai l'impression que j'ai pas de son par contre. Le son du jeu, quand même beaucoup mieux pour pouvoir jouer. Alors. Du coup, je suis presque rodé pour les faire. Hop là. On va se les mettre comme ça, du coup on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Hop. Non, c'est pas comme ça du tout. C'est des pleins ici. L'escalier par terre. Là. Ici un bloc. On a pratiquement plus de sapin. Il va falloir faire les stocks. Vas-y, Vanip. Allez, suivante. Paf, paf, paf. Un 7 par 7, c'est parfait. C'est la forme que j'aime pas trop. Et qui est plus simple que les autres à faire. Hop. Hop. Là, ça, on a des belles fondations. Le 7 par 7 est la forme la plus simple à faire, tout simplement parce qu'il y a un pilier central au milieu qui rend l'escalier beaucoup plus facile à poser qu'à l'accoutumée. Par exemple, par au-dessus, c'est un peu plus chiant. Les blocs au passage, ça servira pour la prochaine fois.
J'ai un gros doute d'avoir assez de cobble par contre pour faire entièrement tout les fondations. Et après, il y a le milieu à faire et le milieu va demander beaucoup de cobble aussi. Je crois que j'ai retenu le micro. Et hop là. Un 3 par 3. Un 3 par 3. Très simple aussi le 3 par 3. Je suis coincé. Et suivant. Hop. Ouais, hop. Un 5 par 5 ou un 5 par 7. Un 5 par 5 ça a l'air. Hop là. Toc. Toc. Ah, en dessous c'est creux, déjà c'est pas mal. Ouais, ça peut être une solution, je crois que je gagne du temps comme ça. En mettant tous les sous dans le même sens. Et ben on va enchaîner. Hein. Hop. Ah, c'est vrai qu'il y a une espèce d'une grosse fosse juste à côté. C'est ça en fait qu'on voit.
Je crois que j'ai plus d'escalier par contre. Ah si, j'en ai pas. Allez, prochaine. Ça fait une sacrée quantité. Je vais pas le dire à chaque fois, hein, bien sûr. Voilà. Celle-là, elle est faite comment? En fait, ça c'était la dernière, et là, c'est la l'avancement. Comment ça a été fait là? Ah oui, là-bas, il n'y a pas d'avancement. Donc, il faut que je redécale les piliers. Bon, je sais plus comment j'ai fait. Est-ce que j'avais... Ouais, j'ai tout relevé là-bas. Juste aller voir vite fait quelque chose. Ça avait été fait aussi à l'intérieur, je me rappelle plus. Là, là. Oui, ça a été fait là. Bon, là, ça avait été bouché, carrément. Quelle logique. Oui, j'ai pas plus de cobble, hein, donc on peut aller bien loin avec ça. Aller bien loin. Je pourrais faire les premiers piquets, c'est tout. Hop là.
Et du coup, comme à l'accoutumée, on va aller faire un peu de fondation par là-bas pour passer les blocs de stone. On n'a pas beaucoup, on en a 35, mais ça fait 35 blocs de stone de poser. Ce qui est assez intéressant quand même. Alors. Où c'est qu'on était arrêté? Là, je crois. Ici, déjà, il n'y a pas d'escalier, donc il va falloir mettre les escaliers. Alors, hop, paf. On va mettre la moitié d'escalier. Et le reste de bloc, normal comme ça. Des petites dalounettes, juste ici. Et paf. Donc, c'était comme ça, ouais. Du côté extérieur avec une demi-dalle en roche lisse. Hop. Côté extérieur en roche lisse, on a dit. Et là, normalement, c'était un pilier comme ça, donc on va le mettre. Ah, bonjour, toi. Hop, et je vais même... Non, je vais mettre un peu de... Voilà, de ça. Pour faire pousser un peu de l'herbe. Bon, ça c'est pas prévu, je vais les enlever. Voilà. Donc ici c'est bon. Et au-dessus, là il manque un escalier. Là, ouais, pareil. Ici, là c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Hop, un petit coup de pommes. Donc cette maison c'est bon, maintenant celle-là. Alors déjà, tac tac tac, tac tac tac, une demi-dalle de roche lisse dans l'angle extérieur. Ensuite les escaliers, là, 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 ici, et j'en ai plus. On va juste laisser les mettre comme ça, hein. Puisque c'est comme ça. Maintenant, on peut se barrer. Ça ressemble à quelque chose, bateau. Et ça, je vais y changer, hein. J'y trouve vraiment moche. Alors, ça va dégager. Je pense dans pas longtemps. Je vais me faire un trou là, que je puisse remonter enfin et faire un coup de ça. Pouf. Ah, et faire nuit. Alors, cobble. Il n'y a plus beaucoup de cobble. Hein. Je vais poser 2-3 petites choses pendant que j'y suis. Le fer, ça va au four, ça va là, la roche lisse, je vais me reprendre un peu de bois de sapin si je peux, hop, 3 bûches, c'est parfait, ça, on s'en fout, ça, c'est pareil, on les plantera jamais, je pense. Bon, c'est ça, ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est là. Du poulet, ça, ça, enfin ça, après ça sert tout. Donc on reprend masse de cobble. Et comme ça on se laisse juste 2 slots de libre. Pour pouvoir stocker un peu de diversité. Est-ce qu'on captait le conduit ici? Je ne me rappelle plus. Ah, pas l'air. On va aller chercher tout de suite.
Alors, il était ici. On va le déplacer là. C'est pas mal là. Hop, un bloc. Ça au-dessus. On casse le bloc. On en met un comme ça. Hop. Voilà, maintenant il est opérationnel, on va pouvoir mettre la cobble. C'est vraiment incroyable ce que je peux balancer comme cobble. J'ai récupéré surtout de la stone, mais j'aurais dû récupérer surtout de la cobble. C'est une horreur. On s'est arrêté de l'or, j'ai récupéré par terre, mais alors le fer avec l'usine qu'on a. Ça peut bien s'accumuler, ça ne me dérange pas. Alors, maintenant, il va falloir. On va se faire quelques escaliers, puisqu'on n'en a plus. Non, des escaliers, on a dit. On l'avait mis dans quel sens? Comme ça, on va se la mettre comme ça. Vas-y, c'était pas là qu'il fallait la mettre. Bon, les fondations de la grande maison sont terminées. Passons à la prochaine. Alors la prochaine, elle est toute petite. Alors, c'est 5 par 7. Oh, c'est pas souvent. Tant bien, on aime bien les 5 par 7.
Passionnant, passionnant. Je les bouffe à une vitesse. Et suivante, d'ailleurs, il y a toujours l'air bloc train. Je sais pas pourquoi ça fait un bug comme ça. Bon, l'herbe aurait dû dépoper quand j'ai cassé le bloc, mais il n'a pas dépopé. Problème de serveur. Ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé. Prochaine, je trouve un blé. C'est honteux de me donner du blé comme ça. Elle est beaucoup petite, forcément. J'ai besoin d'assez de place pour faire les décorations, les toits, choses comme ça. Et ils sont tous espacés de 3 par 3. 3 comme ça, 3 comme ça. Et ça fait de la place. J'ai jamais compté. Il faudra peut-être que je les compte un jour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je sais plus combien il y a d'enchantements. Une bonne quantité normalement. Mais si on peut en avoir 2 par 2 ou 3 par villageois, ça peut peut-être arranger la chose. Je vous dis pas le boulot qui reste à faire pour faire les piliers, parce que là, vu qu'on a, en fait, c'est que les fondations de base, il va falloir rajouter toute la stone, tout décorer le fond, et après, la chose qui va au milieu. On appelle ça bien la chose. Il faudrait finir là aussi. Hein. Bon. Alors, on a été où? Pof. Je crois qu'il y en a une longue après là dans le tas. Là au fond il y en a une grosse, ça c'est sûr. Je crois qu'il y en a une longue aussi. Non, ça c'est pas beau, ça c'est pas ça. Hop, voilà, un peu de cobble.
Et une de plus, une de plus. Et à un moment, j'ai pu voir la force de conduite. Ça va arriver là dans pas longtemps. Alors, c'est un 7. Ah, les 7, on les aime. On les aime bien. Personne n'a rien vu. Hop, hop. Par 3. Bon. Là, ça fait 7 de large, mais ça fait un 9 par 3. 9 par 5. Merde, la place quand même, ce qu'il y a eu, hein. Bah, de la place, façon de parler, vu qu'il n'y a pas tant de place que ça. C'est juste pour mettre des villageois, donc bon, je vais crever si je respire pas un peu. On va chercher le conduit parce que je n'ai plus rien à voir après. Ça va un peu. Mon rendu est pas mal, mais par contre, l'image réelle n'est pas très jolie. Hein. C'est juste un peu sombre, c'est tout. Ben on a presque fini ces fondations là, on est presque au bout. Ouais, j'ai oublié de faire ça. Je sais pas si j'en fais une devant. J'ai envie de faire quelque chose devant. Pas forcément une maison. Faire une place sur pilotis, un truc comme ça. Un pilotis là pour l'instant ça fait plus. Ah, je sais pas si. Si j'ai refait gros ou si j'ai refait petit le chemin. Parce que je trouve ça un peu gros quand même, les grosses bûches. Et le problème c'est que si je mets des petites, j'ai peur que ça fasse tout. Si je mets des barrières ou des defenses, j'ai peur que ce soit trop petit. Ou peut-être trop imposant. Mais ça pourrait me permettre peut-être de structurer un peu le milieu. Faut voir. Que je teste. C'est sûr et certain, c'est que je vais changer. Hop. Et j'ai pas. Non. On reprend ça à la main, plutôt, ça sera mieux. Hop. Voilà, on va chercher le petit conduit qui est resté là-bas. Ouais, toutes les trois maisons, pourquoi il faut le déplacer. Ce que je me demande, c'est est-ce que si j'en mets un au milieu, un gros, est-ce qu'il va être assez gros? C'est quoi? On va essayer ça tout de suite. Parce qu'au milieu, après, il y aura un bâtiment. Est-ce que je me demande... Le milieu il va être où? Là à peu près. Là, là, un peu plus par là. Hop, hop. Ouais, là c'est un peu la triche, je vais en prendre ça plutôt. J'ai peut-être un peu trop bougé. Ici ça a l'air d'être le milieu. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux? Déjà, hop, un truc comme ça, on va se mettre. Le petit conduit au milieu. Pouf. Voilà. Normalement, il est entouré par ces 9 blocs d'eau. Ok. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que là, si je creuse. Hop. On fait comme ça. Au-dessus. Est-ce que comme ça, ça marche? Je sais plus s'il faut vraiment des. Comme ça, ça marche. Ok. Ça me rassure, c'est là que je peux faire comme ça. Pouf. Pouf. Hop là. Okay.
J'ai fait le désactiver là par contre. Hop. Hop, 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 et hop là. Récupérer tous les blocs. Donc là, c'est la portée maximale. Est-ce que la portée maximale me permet d'aller jusqu'au coin là-bas? Telle est la question qu'on va répondre actuellement. Restant 11, 12, 11, 12. 11, 12. Bah, ça m'a l'air pas mal. Là, et on va aller dans l'autre coin là-bas. Je vais prendre peut-être mes élytras si j'arrive à décoller. Et dans l'eau. Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, par ici. Bon, même là, si ça capte pas dans. C'est quoi qui. Ah, c'est un lapin. Donc, voilà. J'aurais dû commencer par faire ça dès le début. Ça nous aurait gagné du temps. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme screen? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on va réutiliser le même qu'on a fait la dernière fois. Dans le prochain épisode, on fera sûrement les poteaux. Peut-être que j'aurais commencé avant. Hein. Je pense que même que j'aurais commencé avant, vu que j'ai déjà commencé là. J'ai déjà commencé là. Donc là, il me reste juste à faire les deux maisons là, la maison là, celle-là. Ici, ça ne sera pas une maison, mais... sûrement un truc en bois. Les barrières, on va échanger, on va faire un truc beaucoup plus propre. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme bois par contre. Simplement c'est du sapin. Ok, c'est du sapin. C'est tout en sapin en fait. Il y a que des bouts de chêne qui traînent par-ci par-là. Ok. Et moi ce que je pensais en fait, c'est mettre des escaliers, faire arriver les dalles juste ici. Donc c'est spawnable dessus, faire arriver les dalles là, mettre un pilier là, un pilier là, un pilier, un pilier là, et chaque pilier mettre des équerres. Et sur les côtés, au lieu de mettre ça, je mettrais bien des fences. Tout simplement. Après, il faudra faire les deux tours qui sont là. Elles sont un peu proches de celui-là, elles sont un peu proches, mais on va dire, ça va faire. Alors, là, en fait, où il y aura des grosses tours, il y aura des entrées aussi pour aller dans le bâtiment. Et il va falloir faire les fondations du bâtiment. Bref, on travaille sur le village. Il n'y a pas de souci. Alors, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. A plus !